Psaume 22 Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. On croirait que le compositeur du psaume 22 était un paroissien d'Ézéchiel, un paroissien qui a bien compris le sermon. Avant d'écrire ce chant de la brebis à son berger, ou plus exactement du troupeau à son berger. Parce que, comme toujours, celui qui parle dans ce psaume, c'est le peuple d'Israël tout entier. Israël qui se reconnaît comme le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu. Aujourd'hui, nous ne trouvons peut-être pas très flatteur le terme de troupeau, mais il faut nous replacer dans le contexte biblique. À l'époque, le troupeau était peut-être la seule richesse. Et il n'y a qu'à voir comment le livre de Job décrit l'opulence puis la déchéance de son héros. Cela se chiffre en nombre d'enfants d'abord, mais en nombre de bêtes tout de suite après. Je cite le début du livre de Job :« Il y avait au pays de Houts un homme du nom de Job. Il était cet homme intègre et droit, craignait Dieu et s'écartait du mal. Sept fils et trois filles lui étaient nés. » Il possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et une très nombreuse domesticité. Cet homme était le plus grand des fils de l'Orient. Et quand on vient annoncer à Job tous les malheurs qui s'abattent sur lui, cela concerne ses enfants et ses troupeaux. Mais alors, si les troupeaux sont considérés comme une richesse, nous pouvons oser penser que Dieu nous considère comme une de ses richesses, ce qui est quand même une belle audace sur le plan théologique. En écho, le livre des Proverbes dit que la sagesse de Dieu trouve ses délices auprès des enfants des hommes. C'est dans le chapitre 8 du livre des Proverbes, verset 31. Pour revenir à notre psaume d'aujourd'hui, il décline l'amour de Dieu pour son peuple dans le vocabulaire du berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches. Il me fait reposer, il me mène vers les eaux tranquilles. Le verbe mener est ce qui caractérise le mieux un berger digne de ce nom. À plusieurs reprises, Ézéchiel, pendant l'exil à Babylone, se plaint des bergers d'Israël, entendez les rois, qui justement n'ont pas mené le peuple parce qu'ils étaient avant tout préoccupés de leur intérêt personnel. Je vous cite Ézéchiel malheur aux bergers d'israël qui se paissent eux-mêmes n'est-ce pas le troupeau que les bergers doivent paître les bêtes sont dispersées faute de bergers, et elles ont servi de proie à toutes les bêtes sauvages, entendez les nations étrangères, et en particulier babylone, elles se sont dispersées mon troupeau s'est éparpillé par toutes les montagnes, sur toutes les hauteurs. Mon troupeau s'est dispersé sur toute la surface du pays, sans personne pour le chercher, personne qui aille à sa recherche. Ézéchiel, chapitre 34. Et quand le prophète parle de dispersion ici, il vise toutes les infidélités à l'alliance, toutes les idolâtries, tous les cultes qui se sont instaurés partout dans le pays qui était pourtant consacré au Dieu unique. Ce sont autant de fausses pistes qui ont entraîné le malheur actuel du peuple. Dans le psaume, la phrase ⁇ Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom ⁇ vise exactement la même chose, je crois. En langage biblique, le chemin signifie toujours la vie dans l'alliance avec le Dieu unique, c'est-à-dire l'abandon résolu de toute idolâtrie. Or, l'histoire montre que ce n'est jamais gagné et qu'à toute époque, l'idolâtrie a été le combat incessant de tous les prophètes. Soit dit en passant, ils auraient peut-être tout autant à faire aujourd'hui. Une idole, ce n'est pas uniquement une statue de bois ou de plâtre, c'est tout ce qui risque d'accaparer nos pensées au point d'entamer notre liberté. Que ce soit une personne, un mouvement, un bien convoité, une idée, Dieu veut nous en délivrer. Non pas pour faire de nous ses esclaves à lui, mais pour faire de nous des hommes libres. C'est cela l'honneur de son nom. Le Dieu libérateur veut l'homme libre. Pour libérer définitivement l'humanité de toutes ses fausses pistes, Dieu a envoyé son Fils. Et désormais, les chrétiens ont en tête la phrase de Jésus dans l'Évangile de Jean. Je suis le bon pasteur. Je donne ma vie pour mes brebis. C'est au chapitre 10 de Saint Jean. Il donne sa vie au vrai sens du terme. Si bien que nous pouvons chanter à notre tour, toi, Seigneur, tu es mon berger, tu es avec moi, ta croix, c'est-à-dire ton bâton, me guide et me rassure. Et au début de l'Église, ce psaume était devenu naturellement le psaume spécial de la liturgie du baptême. Les baptisés, je parle au pluriel parce que les baptêmes étaient toujours célébrés communautairement, les baptisés émergeant de la cuve baptismale, partaient en procession vers le lieu de la confirmation et de l'Eucharistie. L'évocation des eaux tranquilles vivifiantes pour le baptême, de la table et de la coupe pour l'Eucharistie, du parfum pour la confirmation, nous rappelle évidemment cette triple liturgie. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Tu prépares la table pour moi, ma coupe est débordante, tu répands le parfum sur ma tête. Désormais, grâce et bonheur, accompagne le baptisé, puisque comme le Christ nous l'a promis, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde.